télévision pour nous permettre de vivre l'installation. Je vous rappelle que c'est une cérémonie qui a déroulé en plusieurs parties. C'est une cérémonie et j'en ai dit là qui a déroulé en plusieurs parties, dont première partie là qui est déjà faite dans le Palais National. Donc pour le moment, nous avons vu la d'accueil, nous avons suivi l'événement ça, mesdames et messieurs, pour qu'on y a là, c'est qui a recevoir l'essentiel d'accueil pour dans un petit encore cérémonie. Mais tout cérémonie qui non villa d'accueil, madame Cad et présidentielle de transition qui a déroulé jeudi 25 avril 2004. J'en ai signalé il y a un peu de qui prend pour permettre eh bien cérémonie ça li déroulé une cérémonie on a signalé tout cap déroulé du moins qu'a réalisé en deux parties dont la première partie là qui fait déjà matin, mais pour qu'on y a, c'est tout et membres conseil qui présent dans la villa d'accueil là qui sont recevoir im présidentiel qu'on y a qui a fait salutation avec musiciens et palais. Donc il y a un pile monde tout qui fait un pile personnalité qui fait déplacement pour participer dans et gros événement ça, événement, je ne dis là, qui c'est installation présidentielle. Parmi les personnalités, nous avons remarqué qui est présent dans le cadre de la cérémonie, ça, qui est déjà déplacé pour assister à la cérémonie. Ça. Nous avons remarqué des personnalités dans le judiciaire haïtien, également de anciens qui c'est en même temps de responsables parti politique. Et sénateur Yuri La Torture, nous avons remarqué également la présence avec d'un coup Joseph Lambert, qui lui-même marqué dans le cadre de l'événement. Nous avons remarqué tout la présence de ce député Mirbalea, Abel Descollines, qui lui-même tout fait déplacement pour venir et assister et bien Andy et cérémonie. Ça qui c'est cérémonie d'installation, conseil présidentiel de transition, eh bien, cap déroulé, qui déjà commencé, bien entendu, depuis très tôt matin dans le Palais National, côté première partie cérémonie, était déroulé. Nous remarquons tout, et présence de et ambassadeurs et consulaires qui ont même un grand nombre fait déplacement pour assister. Et événement ça, nous avons remarqué tout de membres de anciens cabinets qui ont même tout, fait déplacement pour participer dans un gros événement ça, événement qui
marqué installation conseil présidentiel de transition. Pour le moment, c'est invité à continuer à rentrer dans la salle là. Donc, membres et conseillers, conseillers, ils ont même tout, ils ont rentré dans la salle, côté cérémonie après le déroulé, côté discours officiel, ils ont fait. Donc, nous mobiliser pour nous permettre de suivre ensemble avec nous, quel que soit côté ou branché télévision l'État, eh bien, les points forts cap gain pour marquer grand événement si là. Non pas pour contre nous gagnons toute une équipe qui mobilisée, une équipe dans le studio. Bien entendu, nous gagnons avec nous et Rodney Doléan. Rodney, nous bonjour. Tout d'abord, vous avez suivi le processus là depuis au commencement. Donc, constat et point de vue par rapport avec un événement qui déjà a déroulé dans le moment que nous avons parlé là. Bonjour Lunel, et Nadi, bonjour avec Ken Levilsen, lui-même qui est dans le studio Delma 33, qui a aidé nous faire exercice ça matin. Hein. Tant qu'on se dit Lunel, donc deuxième partie cérémonie hein, et l'a déroulé dans la ville d'accueil hein, et matin là. Mais la grande question c'est, je dis en Lunel, qui ça qui menait nous, je dis à là avec conseil présidentiel transition ça. Et ça pour nous rappeler avec téléspectateurs, téléspectatrices, internautes télévision nationale d'Haïti au cap de nous là, il faut que nous disions, après que le Premier ministre Ariel Henry a quitté le pays dimanche 25 février 2024 là, et pour te rendre à Guyane, et c'est là qu'il a participé dans le 46e sommet réunion chef d'État avec le gouvernement dans le pays Caraïbio. Et dans la prise de parole, le Premier ministre a parlé tout sous question insécurité. Et pas oublier que sommet ça, il a duré 3 jours. Et c'est 25 pour arriver 28. Et tout de suite après, le Premier ministre a pris le rendez-vous dans le pays Kenya. Et pour aller et finaliser les modalités pour mettre à ce que mission multinationale si pour la sécurité à rentrer dans le pays, a, juste pour combattre l'insécurité généralisée qui gagne dans le pays. A. Parallèlement, 29 février, Premier ministre de l'Irivé Kenya, mais parallèlement, nous tous connaissons qui ça qui a gagné dans le pays. A. Et M. Axamio, lui-même, il a pris rentrer dans une coalition tout neuf. Et côté okay. Que. Vous avez commencé à s'y mettre dans diverses localités dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Et vous avez gagné comme si officiel, lisiez, selon le protocole, voilà, après voilà, vous allez sortir. C'est ça le message que j'ai à vous communiquer. On va enlever le pupitre, vous allez faire la photo officielle. Après, ok, on sort. Merci beaucoup. Ok, protocole. Oui, Lunel nous t'a dit comment nous faire arriver là jeudi. Alors, il faut que nous disions, le 29 février, Jean t'a dit tout à l'heure, monsieur Axamio, yo vinn mettre tête dans une coalition tout neuf et monsieur yo pral gagner comme si institution publique avec une série de bâtiments stratégiques, mais bataille ça monsieur pral dit c'est pour empêcher Premier ministre lui-même de retourner dans le pays et de fait Premier ministre est en difficulté pour le tourner dans le pays. Je joue aujourd'hui, donc le Premier ministre est toujours dehors. Donc ça qui peut le faire que non seulement CARICOM avec une série d'amis et Haïti dans l'international, il peut le réunir en urgence pour au moins jouer une solution avec crise. Et tout de suite après rencontre M. CARICOM avec une série d'autres partenaires internationaux, il peut le rencontrer avec différents acteurs.